Bonjour Christophe Chassol. Bonjour Saskia de Villador. Chère auditrice, chère auditeur. Chère auditrice, chère auditeur. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de Minnie Riperton et de son album Come to My Garden. Saskia, je pense que c'est mon album préféré. Ah oui ? Oui, du monde entier. Pourquoi ? Parce que c'est Minnie Riperton, qu'elle a un registre de 4 octaves. Tu l'entends très haute là. Hein. Et voilà, elle a 4 octaves, elle est magnifique. Elle est décédée à 31 ans malheureusement, très jeune hein, vraiment. Et je vous avais déjà parlé d'elle quand j'avais fait la chronique sur Silent Night. Elle joue avec le Rotary Connection. Donc là, c'est son album de 1970 qui s'appelle Come to My Garden. Et pour moi, c'est une musique qui est assez unique. C'est de la, on va dire, de la soul orchestrale, si tu veux. D'avant-garde. Voilà, avec des arrangements très luxuriants, brillants, et puis des morceaux avec des belles suites d'accords. Et... On est en quelle année ? On est en 1970. C'est Charles Stepney qui arrange tout ça. Et je vais vous faire écouter plusieurs extraits de cet album et tous les morceaux sont bien. Voilà, alors ça c'est Completeness. J'adore les réponses, questions-réponses. Voilà, c'est vraiment très très classe la façon dont c'est arrangé. Il y a plein de nuances et tout. Et vraiment, moi je trouve que c'est un genre de musique qui. Bon voilà, ça peut ressembler à du Burt Bacharach. Tu vois, c'est le grand arrangeur, Burt Bacharach. Ça passe très vite là, mais on écoute Memory Band. Là, je voulais vous dire qu'il y avait, voilà, dans les arrangements, Climb, elle dit Climb, et le morceau monte, les arrangements montent comme ça. Bon voilà, c'est très luxuriant, c'est très américain, mais comme les Américains savent faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur du poids des ancêtres, et ils font une musique libérée, c'est-à-dire pleine de mélodies. Donc là, voilà, on écoute Rainy Day in Centreville, donc avec une montée comme ça sur un si bémol sus 4, c'est des accords suspendus. On écoute, juste. Dans ces arrangements, quand même, tout se mélange, c'est magnifique. C'est un curieux mélange. Ah bah ouais, c'est de la soul, mais qui est orchestrale, mais orchestrale savante. C'est pas, c'est pas des unissons de violon juste pour faire beau, quoi. Écoute cette voix, comment elle est perchée. Alors voilà, là c'est Les Fleurs, qui est le morceau le plus connu de l'album, avec sur un canevas harmonique très simple. Une montée, tu vas reconnaître le refrain, il est magnifique. C'est un classique, c'est un morceau qui a l'air d'avoir toujours existé. On écoute. C'est brillant. Hein. Et genre juste, j'aimerais quand même vous faire écouter Loving You qui est son tube à Minnie Riperton, mais qui n'est pas sur cet album. Mais oui, ça date de 75. Évidemment. Hey. Every time we la 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 la. J'adore Minnie Riperton. Voilà, alors, vous pouvez. Pour terminer. Alors, ouais, moi je vous conseille vraiment d'écouter tout ce qui est sorti sur Chess Records, tous les albums de Rotary Connection et tous les albums de Minnie Riperton et de Charles Stepney. Dans ce Come to My Garden. Merci beaucoup, Christophe. C'était un plaisir. Moi, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée. C'est à vous. Ciao.